ici derrière les caméras, tout à l'heure du côté de Castelnau. Puisqu'il n'y aura pas de classement de meilleur grimpeur ici, voilà toujours avec Sébastien Pillon qui totalise 10 points, puisqu'il a fait le meilleur grimpeur de Bastène et le meilleur grimpeur de premier passage, tandis que là nous avons la tour, je pense, qui emmène, voilà, de sort numéro 20. Voilà donc 4 tours encore. 4 tours, messieurs. Il n'y a pas de panotage, c'est un peu dommage. Donc 4 tours. Mais le peloton est en train de réagir ici maintenant avec ses coureurs maillot noir. Ça accélère.
Allez, les hommes de tête ne sont pas loin, ça va peut-être venir avec Lucas. Il reste 4 tours encore. S'il vous plaît, messieurs, mettez-vous sur le bas-côté, là, parce que vous allez occasionner une chute, ça c'est sûr, là. Allez, on reste pas pour faire les ravitaillements, là. Allez, 4 tours, ils sont pas loin, vous êtes revenus à moins de 30 secondes de la tête de course. Et ça serre les dents, ici derrière, maintenant, avec le Dossard 145. Qui n'est autre que Bardelane, le Dossard 14, je pense, si je ne me suis pas trompé. 14, c'est Salvignac. Non, c'est pas Salvignac, ça. Non, il est juste là. Il est bien sûr que tu as la caméra. Monsieur qui a le chien là, soyez vigilant parce que le chien, vous voyez, il était derrière vous, mais il est parti à un mètre devant vous là, et vous l'avez pas vu là. Eh, si, je raconte pas de bêtises. Là maintenant, il est passé à votre gauche, mais avant, il était à votre droite, monsieur. Il va venir te poser avec le Saint-Pathé, le Pillon. Ah, il nous fait une grosse impression après derrière avec 35, 40, 40, 42, 97, 36, 17, 20 et 19. Il a gagné un plus de 3 points. Sociétaire des Comminges qui va peut-être venir non pas prendre des points puisque cette fois-ci il n'y a pas de points, ce sera au retour que nous aurons des points à prendre pour Pillon, le coureur des Comminges, voilà, qui passe en tête devant le coureur 35-35 qui n'est autre. Allez derrière, ça revient très fort, retour, dernier sprint classement, retour. Au retour, dernier sprint de classement, il reste deux tours à faire. Deux tours, Philippe Rubio qui ferme la marche du peloton avec juste devant lui le Dossard 19 qui n'est autre que Dupeyron Raphaël de la Poche cycliste Team Cube 17. Allez, retard à la terre, je pense que les commissaires vont vous demander de terminer de sortir de l'épreuve. Tandis que là, nous avons Nicolas Glacial qui a été distancé. Allez, ça monte ici, là. Ah, c'est très dur, là. Avec, il reste deux tours, messieurs, deux tours emmenés par Girondin de Bordeaux, le Dossard 49 qui a été lâché. 49, c'est Ségura Thomas et tout le peloton qui passe devant nous à deux tours où le peloton est en train de. Le 36 maintenant de Marmande, je pense, c'est sans roman. Après, nous avons le 3, Fuma Barthélémy de Peurade. Allez, deux tours encore, messieurs, deux tours, un retour sur le dernier sprint de classement pour le Grand Prix de la Montagne. Allez, c'est bien, les gars. Alors, nous avons 7 coureurs en tête, d'après les dernières informations, donc regroupement général en tête de course, 7 coureurs en tête.
Et donc je pense que ce sinon entre fond, quand on descend batch, quand on va sur batch, et bien je peux vous dire que le père à la vigne, il a pu se retrouver dans le champ derrière. Voilà, je ne sais pas comment on a fait. Le deuxième motard qui était derrière, il a dit aussi de s'arrêter, rien n'a fait. Et il a fallu qu'une voiture se mette en travers de cette énergie pour pouvoir en faire bloquer cette voiture, alors que nous étions en pleine descente et le coureur était regroupé tout en peloton. Voilà, nous avons bien sûr toujours quelques automobilistes imprudents sur la chaussée. Allez, la voiture là, cela veut dire que c'est le dernier sprint de SNA qui va venir se disputer ici. Alors, la dernière information, nous avions 4 coureurs en tête. Nous allons voir dans quelques instants si justement ces 4 coureurs sont encore là. Alors, je crois avoir aperçu Sébastien Husson là, avec un de trois, mais c'est très très revenu. Voilà donc le groupe pour l'annonce, le dernier tour, c'est ça. Dernier tour, comme disait pas de l'outil de coureur. Dernier tour, donc, le circuit, avec je pense, le coureur peut venir sur la Saint-Pillon qui sait qu'il peut être rejoint en face de là. Le retour sur l'arrivée, monsieur, la tête de Paris, retour sur l'arrivée, à la 1 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
Allez, je vais mettre un petit peu, la plupart regarder dans le téléphone. Bien, Loulou. Pas de courant en l'air, là, s'il vous plaît, pas de courant en l'air. Vous allez vous faire le tour de la place, s'il vous plaît. Non. Allez, ça va, allez, s'il vous plaît, 54, 54. Mais vous avez la truc sur le premier là. Donc maintenant, c'est lui, il fait les filets. Dans le temps derrière, derrière. Ah, t'arrives. Oui. Oui. Attends. Attends. Bah oui, t'es dans le groupe, c'est vrai que moi c'est pareil, il est arrivé, mais c'est pas... Non, c'est que le bonhomme est pas loin. Pas de problème, on a tout là maintenant. On va pouvoir passer dans quelques instants à la cérémonie protocolaire. Les bouquets sont là. On va mettre le panneau vainqueur Florian Latour du tube 1744 devant son copain de club. Voyons, je vais aller chercher le 19, c'est bénévole. Si, non, c'est pas bénévole. Le 19 du Perron. Voilà, du Perron Raphaël qui sera le meilleur jeune de l'après-midi. Donc, qui prend la deuxième place. Troisième, nous avons Sébastien Pillon qui prendra le maillot de meilleur grimpeur. Troisième. Après, nous avons en quatrième position, le Dossard 40 qui n'est autre que Bénérol Jérémy du comité de Bourgogne. Le 35 en cinquième position, 35 c'est José du CC Normande. En sixième position, le 66 c'est Philippe Rugueux, si mes souvenirs sont exacts. Voilà, soit non, l'adhéreux de moi, le premier le 64, 7e, le numéro 17, ce sera Neytou Mikael de Gernac et de Rouillac. En 8e position, le 45, c'est Rubio Philippe du Conservatoire de l'année. 9e position, le 42, c'est Payassé Gabriel du CC Dordogne. En 10e position, de ça, 34, c'est Carole Dorian du CC Normand, vainqueur du mois dernier du côté de Bayonne. En 11e position, le 96, qui n'est pas que Chaminot de Vernos Bolac, voilà, Bazas. Donc, et puis un tout jeune qui monte, Sébastien Lamude, donc il faut parler de ces jeunes qui viennent. Voilà, on arrive à retrouver quelques jeunes, comme demain après-midi, nous trouverons les deux frères à Carrasco sur la plume vert montoise. Allez, ici on a perdu la tour. Allez, voilà, le vainqueur de l'épreuve aujourd'hui, Karine Moulin. Allez, c'est parti, donc le vainqueur d'aujourd'hui, après j'ai le vélo. Alors, je suis obligé d'être décalé sous les pieds. Avec du Peyron, il n'y a pas de problème, il y a de la hauteur. Mais dans la tour, ce sera vraiment pour se coller sur les nocturnes marseilloises. Donc, il n'y a pas de problème. Florian, félicitations. Donc, le tube 17 qui vient s'imposer aujourd'hui au terme d'un débel effort peut-être dans le dernier tour. Ouais, ça fait plaisir. En fait, j'étais super bien tout le long de la course. Je voyais que j'étais pas le plus fort quand même dans l'échappée. Je sais que Mickaël Métou était très fort, il a monté la bosse à bloc jusqu'au bout et dans le virage j'ai vu que j'étais plus fort, je l'ai contré et puis voilà, j'arrive tout seul. Ouais, t'arrives tout seul mais ça a été pénible quand même, hein. Il y aurait eu encore 200 mètres je pense que ça a été chaud, ça aurait été chaud pour toi. Ah, j'étais au bout de l'effort, j'étais à bloc. Non, quand j'ai vu la ligne, je me suis dit, oh là là, bientôt terminé. Alors, est-ce que justement, parce que tu as fait partie du groupe qui est parti en chasse derrière l'homme qui on pourrait décerner, à qui on pourrait décerner le prix du plus combatif aujourd'hui, bien sûr, c'est Sébastien Pillon, sociétaire des Comminges. Est-ce qu'il vous a mené la vie dure un tout petit peu? Ah ouais, je ne le connaissais pas ce coureur. Quand je l'ai vu partir, je me suis dit, oh là là, lui il est costaud, on avait du mal à rentrer, on tournait à 5 derrière. Je me suis dit, là il va nous faire mal et quand on est rentré, ça dirait contré. Et je voyais qu'il était quand même à bloc lui aussi, donc je me suis dit, ça va le jouer au sprint dans le
le dernier taquet et puis voilà. Belle victoire aussi alors pour toi aujourd'hui Florian. Ben, c'est la première de l'année là, j'ai couru en élite tout le début de l'année. Là je viens m'imposer en deux, c'est bon pour le moral, donc demain j'irai à la prime verte puis on verra ce que ça va donner. On se retrouve demain alors. Ouais, on se retrouve demain. Peut-être pas avec les meilleures jambes. Ouais, j'espère gagner, pourquoi pas un doublé. On sait jamais, hein. Ça serait bien, Chalon ce primevère. Ouais, ouais, ça serait bien. En plus, j'ai vu qu'il n'y avait que 15 premières, donc ça risque de faire la course quand même en deux. Donc il y a possibilité, mais bon, on verra bien. Là, je viens de me donner un bloc. Demain, j'aurai la canne sèche, à mon avis. Voilà, on verra ça demain. Donc, allez, on va passer récompense, le bouquet. Qui c'est, Karine, s'il te plaît, le bouquet pour, voilà, pour notre ami Latour, Florian de Saint-Prélan. Un très beau bouquet, un très beau vainqueur, comment on peut le dire, Karine, viens ici, s'il te plaît, là. Tu veux pas venir parler ici, quand même, parce que tu as suivi un peu les évolutions là, de ce coureur là, cet après-midi. Il y avait un pillon, on en verra après. Oui, donc, non, la course s'est fait sous le soleil, donc ça c'était quand même quelque chose d'important. Donc on n'a pas eu à décorer de chute au niveau des coureurs. Nouveau parcours, donc après je sais pas, il faut leur demander sur ce petit circuit qui était effectivement plus vallonné, peut-être moins dangereux, mais qui complique la tâche au niveau de la sécurité, puisque du coup il y a les pelotons qui doublent la tête, etc. Donc ça complique un peu et ça mélange, ça peut fausser l'arrivée. Voilà, donc, on sera content quand même d'avoir des avis positifs ou négatifs par rapport à ça. Alors, je veux faire le porte-parole avec de Karine, elle se pose la question, puisque l'année dernière, elle n'était pas venue sur ce circuit. L'année dernière, on passait comme ça, là. On faisait comme ça, partait. Il y a 2 ans, on le faisait. Il y a 2 ans, oui, effectivement. Alors, puisque c'était les couleurs de Gironde, là, quand il y a 2 ans, hein, tu n'étais pas en cube encore. Donc, je veux dire, tu vas nous dire, toi, puisque tu l'as fait il y a 2 ans, tu as fait le premier cette année, est-ce que lequel te convient le mieux? Ouais, je dirais celui-là parce que je l'ai gagné, mais cette partie-là, elle fait plus mal. À 7 bornes le tour, ça revient vite, donc moi ça me faisait plus mal là, mais bon. L'autre aussi était compliqué. Hein. Donc, alors ça fait un peu plus mal, mais bon, on s'en doutait un tout petit peu. Hein, mais quand même, si on repropose le menu l'année prochaine, tu seras là. Bah, si je suis pas en première, oui, je serai là, bien sûr, pour défendre le titre. Voilà, c'est la question que j'allais te poser. Donc, je pense que nous avons le député, monsieur Boris qui va venir nous rejoindre en quelques instants, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur le député, vous allez bien? Voilà, donc, un beau vainqueur aujourd'hui qui nous vient de Charente, comme on pourrait dire, qui nous dit 7, je pense, bordelais, d'origine bordelaise. Voilà, Florian Latour, donc qui s'est imposé de fort belle manière. J'ai été moins rapide que vous arrivé jusqu'ici, mais j'étais en voiture, j'étais pas à vélo, donc voilà. Donc je viens quand même en tout cas à temps pour vous féliciter et puis pour vous suggérer, maintenant que vous connaissez la Chalosse, de venir vous y installer. On accueille tous les talents. Voilà. Donc en tout cas, félicitations. Je vous remets ce prix pour 97e circuit de la Chalosse. Pour toutes nos félicitations. Merci. Voilà, bravo. Merci monsieur le député. Donc voilà, Karine, ici s'il te plaît pour la photo. Tu veux mettre le maillot avant, d'accord. Allez, on va mettre le maillot. Tu veux pas venir à côté là, hein? Non mais c'est le maillot. Alors, ouais. C'est le maillot jaune. Ah oui, c'est bon, j'ai suivi. Regarde des significations pour toi et pour moi. J'espère que tu porteras. Ça serait juste au-dessus. Regarde. 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 Oui, très très bon, très bien. Et pour moi, ce circuit est supérieur à l'autre. Vous aurez beaucoup plus de monde et beaucoup plus de bagarres sur ce circuit-là que sur l'autre, sur le premier. Celui-là, pour moi, il est mieux. La seule chose, suggestion qu'on peut faire, c'est quand les coureurs sont doublés, les arrêter sur la ligne.
pour éviter des choses. Ouais, mais bon, il faut savoir combien non, il faut mais... pour. Mais ça c'est géré, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, il y a le bouquet, il a eu. Il est parti avec. Allez. Non, il n'y a personne. Maintenant, il n'y a personne. Merci beaucoup. On est safe là-bas. Alors, Pétine, non, vous avez dit. Moi, je suis fier de Mayo. Madame le maire de Castelnau-Chalosse. Voilà, Christine, qu'on a deux mots à ce super regardeur. Vous pouvez presque jouer au basket. Tout à fait, oui, on peut s'arranger pour le club de basket, effectivement. Non, c'est juste une petite contribution, puisque nous avons de nombreux producteurs de foie gras et de canard. Donc voilà, vous goûterez et puis voilà. Donc, félicitations, j'espère que vous avez pris du plaisir à rouler sur nos routes chalossaises, sur ce beau soleil. Mais en tout cas, félicitations, parce que c'est pas facile, c'est pas un circuit facile. Félicitations. Merci. Allez, maintenant, alors, le tonton de la bière, là, représenté, là, le sponsor de la durée. Ah, il a passé le bras, là, moi, je ne sais pas, mais Florian, là, après l'effort et contour avec diverses bières, là, voilà, offerte par le tonton de la bière à Dax. Merci. Allez, voilà, félicitations, on se met pour les photos. Alors on va profiter un tout petit peu que nous avons Média 40 aujourd'hui, qui retransmettra sur internet, il n'y a pas de problème. Il va nous donner quelques petites, vous tapez Média 40, mais de toute façon vous y arrivez, il n'y a pas de souci là, de ce côté-là. Allez, c'est bon là, on passe Christine Sandala. On va passer maintenant meilleur jeune, premier grimpeur, comme tu veux. On fait le maillot, allez, on fait le maillot là. Allez, le grimpeur. Allez, Sébastien Pillon est ici parce qu'il était un des premiers. Alors Florian, tu t'échappes pas trop vite, parce qu'on va faire la photo de vous trois après. Alors Sébastien, comme je disais, s'il y avait un prix du Colmartine aujourd'hui, je te ferais attribuer. On va pas parler psychosportive, alors vous savez, psychosportive quand même, j'aime bien partir de assez loin et voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a manqué justement, peut-être un tour de trop peut-être sur ce circuit que tu découvres toi peut-être aujourd'hui? En fait, ce qui m'a porté préjudice, c'est le vent. En haut, il y avait du vent de face et tout seul contre un groupe de neuf qui tourne derrière, c'est vraiment une mission impossible quoi. Et après, ce qui m'a manqué, peut-être que j'ai pas assez bien arrivé. Après, j'aurais dû maîtriser mes efforts. J'en ai un peu trop fait sur les grimpeurs, un peu trop dans les relances. Mais bon, après, c'est le début de saison, on lance la saison et voilà, on verra bien comment ça va se passer la saison. Voilà, tout à fait. Donc, ça fait longtemps qu'on se connaît, n'est-ce pas? Moi, je t'ai vu gagner, c'était à Couille de Saule, il y a de cela 4 ou 5 ans, peut-être maintenant. Si je me rappelle, c'était sur le Colorado Albi à l'époque. Tu descendais de première catégorie, tu avais mis un bref passage à vide pendant un certain temps avant de revenir. Oui, après, moi, j'ai fait dans l'ADN d'Albi avec Belkadri et la grosse équipe à l'époque, on a fait la ronde de l'Isard. C'est sûr que quand on fait le haut niveau comme ça, qu'on n'arrive pas à passer professionnel, à un moment, il faut débrancher un petit peu, il faut se remettre dans le vélo. Et voilà, j'ai fait une année sympathique et après, je me suis remis dans le vélo doucement et voilà, j'ai fait plaisir. Voilà, maintenant c'est le terme que j'allais employer, se faire plaisir sur une bécane, comme on dit. Tout à fait, moi je passerai plus pro, maintenant j'ai 34 ans, maintenant j'ai vu plaisir, j'ai fait des belles cyclosportives, dont la Riégeoise que j'ai gagnée l'année dernière. Voilà, après je cours pour Saint-Gaudens et c'est pour montrer le maximum les couleurs pour Saint-Gaudens. Bravo, donc félicitations, on va recevoir justement ce maillot blanc et rouge pour. Alors Christine, voilà. Le bouquet. Alors, le bouquet, je vais le tenir, quoi, pour pas que ça tombe, pas que ça lance la vie. Voilà. Alors, toujours pareil, prix là, avec. Après, dans le protocole, on met le maillot. Allez, on met le maillot. Et la coupe après. Et la coupe dernière, alors. Ouais. Une fois qu'il y a le maillot. Et les bières. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont gâtés aujourd'hui là, hein? Il va quand même bien celui-là. Hein. Voilà. Allez, mets-toi à côté là. Allez, les bières, hein. La coupe. La coupe et les bières en dernier. Voilà. Félicitations. Félicitations, et oui, les noms, c'est pas plat. Hein. Oui, c'est sûr. Pas lui connu, il faut dire d'Albi et tout ça, là. C'est pas plat non plus. Voilà, il n'y a pas de problème.
Arrêtez-vous sur la photo là. Christina, allez, photo. On peut mettre les jambes du coffre aussi là, à l'ouvrière. Allez, je vais remettre les bières là. Allez, voilà, les jambes du coffre, pas les petits là. Vous mettez juste devant. Allez, voilà, accroupissez-vous le coup, tout petit peu. Voilà, c'est bien. Attendez, j'ai monté. Et ça a évolué. Ah, mais je suis toute seule, j'ai encore l'équilibre, j'ai pas bu. C'est bon, maintenant on passe aux meilleurs jeunes. Allez, et tout à l'heure dans la salle, je pense que nous trouverons la meilleure équipe. C'est ma toute première saison de route, donc je découvre un peu. Je courais pas mal sur la route pour préparer le VTT, mais sinon, c'est en plus, c'est ma première année consacrée entièrement à la route, donc peut-être pour ça que je ne sais pas trop croisé. Ah oui, tout à fait, oui, c'est un nouveau qui nous arrive, donc issu du VTT. VTT, maintenant 18 ans, qui sort de la catégorie junior, donc ça veut dire espoir première année, n'est-ce pas, 18 ans. Alors, qu'est-ce que ça fait quand justement on débute cette première année de cyclisme par une deuxième place derrière la tour, ton collègue de club, et sur cette épreuve comme le circuit de Chalosse, c'est qui est quand même assez réputé. Bah, ça fait du bien, ça veut dire que depuis le début de saison avec Florian on tourne un peu autour. On va dire que chaque fois qu'on a couru en deux, on arrivait pour la gagne et on n'avait pas trop réussi à faire ce qu'on voulait, on va dire. Mais bon là c'est sûr que ça fait du bien qu'on fasse un meilleur, parce qu'au moins ça on va dire que ça paye quoi. On a tourné autour quasiment sur toutes les courses en deux qu'on a faites, donc là au moins c'est on va dire que ça récompense de faire un deux. Alors Florian, il m'a dit qu'il viendrait demain à la Primevère. Seras-tu toi aussi demain sur la Primevère? Oui, je serai moi aussi à la Primevère Montoise demain. Alors Primevère Montoise demain, et bien Dossard à 12h à Mont-de-Marsan. Voilà, donc félicitations pour cette deuxième place. Alors Karine, où es-tu? Qu'y a-t-il pour ce jeune? Nous avons un bouquet bien sûr. Après nous avons la coupe et puis la récompense. Alors qu'avons-nous dans un coffret Gascon, la montée, coffret Boucherie d'Artigue à Fonton. Donc coffret d'Artigue, alors fais attention parce que il ne faut pas le casser, parce que s'il y a un coffret d'Artigue, il va y avoir peut-être quelques confiseries fines dedans. Tout de même, il est tout seul le pauvre là. Non, et attendez là. Vous restez, ou alors vous êtes tombé. Alors les photos, et puis après on va faire les trois, n'est-ce pas? Ah oui, il y a une tradition qui se perd, Pourtant Sébastien Pillon, quand il a fait, je ne sais pas combien d'années, de haut niveau, il y a des fleurs qui s'offrent. Moi je ne sais pas, peut-être en Amérique, dans l'Illinois, il n'y a pas de fleurs peut-être. Parce que n'oubliez pas que ce garçon, il a été champion de l'Illinois 2018. Donc c'est pas mal quand même. Voilà, avant de devenir champion de Gironde dans sa catégorie. Alors, on va se mettre tous sur la photo. Et puis tout à l'heure, nous aurons la meilleure équipe, je présume, dans la salle pour le bonheur. Voilà, donc on attend que les commissaires nous donnent le classement. Allez, toi, là, tu te mets au milieu, donne-le comme tu veux, tu mets de l'autre côté. Les sponsors, où est-ce qu'on peut se mettre, madame le maire, voilà. Allez, tout le monde, René Barrère, on le trouve. Il est parti, René Barrère. Oui, René Barrère. Il est parti, René. Qu'est-ce qui se passe? Alors si vous voulez voir cela dit, il faut le mettre devant là. Hein. Et passe pas derrière, hein, cela dit. Hein, le panneau. Voilà, mets-le devant là. Non, mais voilà. On va le tenir délicatement. Voilà, parce que nos sponsors, il faut savoir les garder. Bon, le pot de l'amitié va se faire dans la salle polyvalente de basket ici même à Castelnau, n'est-ce pas? Dans quelques instants, on s'y retrouve pour la remise des récompenses et voir peut-être, pourquoi pas, le pot de l'amitié. Je vous peut-être, monsieur le député, peut-être pour nous conforter un tout petit peu dans les épreuves hollandaises pour organiser et avoir peut-être un peu plus de, comment on pourrait dire, d'aide au niveau. Pas d'aide comme ça, parce que je sais que vous êtes bien sûr très sollicité, mais on parle de sécurité en ce moment. Et moi je trouve que là maintenant la nouvelle réglementation du code de la route nous donne prioritaire sur les épreuves une certaine bulle qu'on appelle de la voiture ouvroise à la dernière voiture. Normalement les chauffeurs ou les
comment pour dire, les conducteurs qui sont sur la route lambda ne le savent pas. Alors est-ce que justement, par l'intermédiaire de vos prérogatives, n'est-ce pas, est-ce qu'on pourrait peut-être faire passer l'info, je ne sais pas comment, par les médias ou par des radios? Alors on va essayer, il faudrait que je suscite la question d'un journaliste. Mais vous pouvez me la poser, je répondrai bien volontiers. Non, simplement pour vous dire d'abord, pour vous encourager à continuer. L'image que vous donnez du sport est excellente, de la jeunesse, une jeunesse engagée, sportive. Et puis ça donne une image du département qui est un département ouvert, qui attire. J'étais dans un autre type d'épreuve sportive ce matin, pas très loin d'ici, qui était plutôt dans les sports mécaniques. La mécanique, c'est vous. Donc bravo à la présidente pour son engagement et puis à tous ceux qui sont mobilisés pour qu'une journée comme ça soit une réussite. Donc voilà, en tout cas, à chaque fois qu'on pourra vous témoigner de votre soutien, de notre amitié, on sera là. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Donc Christine Demont, vous êtes dans la salle maintenant, dans la salle au cours de l'amitié. On vous dit bien sûr à tous. Messieurs les coureurs, merci beaucoup. Allez vite vous changer, ne reprenez pas froid. Donc, vous avez content, ce n'est pas. Il faut venir les chercher. Voilà. C'est du Linois alors. Parce que le club où j'étais avant, j'étais au Bousca, un club à côté de Bordeaux. Oui. Et ce club est jumelé avec une commune de Chicago qui s'appelle Glen Ellyn. Et du coup, on a fait un genre d'échange. On allait chez des gens et on a couru les 10 jours. Et dans ces 10 jours, il y avait les championnats d'Illinois que j'ai remporté sur 120 km. Champion de l'Illinois en 2018 en... Ouais, c'est ça. C'était ça. Et cette année, il y a des champions de Gironde Non, ça c'était l'année d'avant. J'étais 2017 Ouais. 2017, champion de Gironde. Ouais, quand j'étais en 3ème catégorie, j'étais champion de Gironde. Ah, t'es en train de monter alors. Ouais. Il y en a, ils reviennent de pro, ils descendent en 1 ou 2. Moi, j'essaye de monter. Ah, d'accord. Quel âge? Je vais avoir 21 ans là, le 9 avril. D'accord. Ah oui. Yo. Alors, donc, la meilleure équipe, en quoi, c'est le comité de Dordogne. Si mes souvenirs sont exacts de tête, en deuxième position, on trouve Pau Vélo 64. Non, mais je donne les trois premiers. Hein. Et après, en troisième position, on trouve le CC Marmande, au niveau des classements par équipe de l'épreuve d'aujourd'hui. Donc nous allons demander au comité de Dordogne de venir ici pour recevoir donc, les récompenses. Alors il s'agit de Courrière Anthony, voilà, du comité de Dordogne. Voilà. Anthony. Après, nous avons Guérin Alexandre, Le Boitesse Clément, avec une victoire sur la pipe, Bénévole Jérémy, Payancé Gabriel, Delma Julien et Payancé Maël. Voilà donc l'équipe qui compose le comité de Dordogne. Et le directeur sportif, ou les directeurs sportifs là. Allez, venez là. Bernard, Allez, je vais laisser le soin. Jérémy Vénérol, là. Allez, il va recevoir la coupe. Et c'est pas normal, on est des Dalton. Les quatre premiers, c'est des Dalton, là-bas, il n'y a pas de problème. C'est que le début. Alors, merci à l'équipe de, enfin, au comité départemental de Dordogne de s'être déplacé. Donc, en fait, ils ont. Donc, ce sont des coureurs de différents clubs de Périgourdin, et donc ils sont rassemblés par le comité, et donc ils sont venus aujourd'hui sur l'épreuve. Et demain, voilà. on se revoit à la primeur montoise. Je sais pas si on va gagner, mais ouais. Vous n'avez pas encore reçu les maillots. Et donc, du coup, voilà, enfin, normalement, sur une équipe comme ça, ils ont un maillot départemental, et donc là, ils ont que les maillots de club. Le perspective. Tout sorti. Là, ils veulent pas. Lui de vert, ils ne veulent pas. Là. Donc ça, c'est Anthony Courrière. C'est spécialiste cyclocross. Voilà, ouais. À temps perdu. Alexandre Desguerrem. Clément Le Boitesse. Pas beau maillot d'ailleurs.
Toi, ton prénom? Julien Delmas. Jérémy Bénérol. Gabriel Payancé et Maël Payancé. Et là, en face, Patrice Payancé. Il est parti. Et Philippe Savy. Voilà l'équipe d'Orbonne complète. On peut les applaudir. Je suis un peu timide. USB est un club très âgé, hein, puisqu'on a plus de 100 ans d'existence. La course aujourd'hui, c'est la 97e édition plusieurs générations, enfin plusieurs années. Donc là, il y a trois générations de présidents. Donc René Barrère qui a été président entre nous deux. Donc le plus ancien au niveau de la présidence, c'est Pipo Cadepuy, pardon, de son vrai prénom, Maurice. Et qui donc a reçu la médaille de la reconnaissance du sport cycliste. Voilà, la médaille vermeille, donc je te donne le diplôme et voilà. La médaille est juste là. Merci monsieur le député. Et ben bravo, félicitations à vous. C'est gentil, félicitations à vous. C'est gentil d'avoir porté à moi. Je t'en mets. Quel honneur. Combien tu as là les médailles? On est trois présidents, donc René assure la vice-présidence depuis plusieurs années, Pipo également, donc premier et deuxième vice-président. Et je voulais beaucoup les remercier parce que du coup ils pallient à plein de choses, ils mettent beaucoup dans ces organisations. Et donc merci à vous deux, je vous fais très vite. Ouais. Et encore, je ne m'en lasse pas. Mais on leur dit jamais assez. Voilà. Merci Karen. Et donc là, on va ouvrir le verre de l'amitié. On va vous offrir l'apéritif. Hein. Bon, on va tout. Oui. C'est Pipo qui paye. Allez, Pipo. Pour le général. Voilà. Et depuis, je me défendais pas mal à cet instrument, et voilà. Même si j'en joue pas mieux aujourd'hui. Donc il vous surmonte Pipo depuis l'école primaire. Voilà. Oui, c'est pas une tare, mais enfin, je ne sais pas si c'est un succès ou une reconnaissance. C'est un surnom. C'est plutôt sympathique. Hein. Voilà. Il n'y a rien de péjoratif.